Hello everybody, welcome to Coaches World. Alors les gens, aujourd'hui je reviens avec une vidéo Get Ready With Me spéciale date night, parce que en fait je suis en train de filmer cette vidéo, il est mercredi et jeudi j'y vais à Paris pour quelques jours avec une amie, donc il me restait pas beaucoup de jours et en plus le jour précédent j'étais occupée un peu avec mes affaires, mes cours, etc. Et donc je me suis dit que la vidéo que j'allais faire, et je me suis dit pourquoi pas me préparer devant la caméra pour mon rendez-vous de ce soir. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on va essayer de faire un maquillage. Bon, je vais pas commencer à dire on va essayer de faire un maquillage nude, etc. alors que ça va partir en charbonneux. Donc voilà, on va faire un make-up, c'est tout. On va essayer de faire un beau truc et je vous montrerai, enfin vous allez voir le make-up ainsi que la tenue à la fin. Vous allez vous préparer, on va se préparer ensemble. J'espère que ça vous plaira. Première étape, je vais commencer par mettre la base de fond de teint. Voilà, après maintenant on va passer aux sourcils. Les sourcils sont faits, maintenant on va s'attaquer aux paupières. Pour ce make-up, j'ai décidé de le faire avec la palette d'Huda Beauty, la New Nude. Je ne sais pas encore quel make-up je vais faire. On va aller en freestyle, donc comme d'habitude d'ailleurs. Et voilà, on va voir sur le moment. La couleur Teddy, juste ici en bas, sur le haut de ma paupière. Voilà, maintenant ce que je vais prendre c'est la couleur Raw, celle-là juste à côté ici, pour le mettre sur le creux et ici sur le coin de la paupière pour intensifier le regard. Thank you.
en dernière étape, ce que je vais faire, c'est prendre la couleur crayon juste ici pour le mettre sur la paupière immobile. Donc avant de mettre ça, j'utilise une base de chez Kiko pour mettre sur la paupière immobile. Sur la paupière mobile. J'arriverai un jour. Après avoir mis ça, je vais reprendre la même couleur je vais reprendre la même couleur Crave pour le mettre sur le coin de l'œil pour donner un petit highlight là au coin. Ça peut être bien. Je pense que pour les yeux, on va s'arrêter là. Après, maintenant, je vais juste mettre un peu d'eyeliner parce que je peux pas laisser mon make-up comme ça. J'ai l'impression que j'ai pas terminé le make-up, donc je vais rajouter des eyeliner. Et ensuite, je vais aller mettre le fossile en dehors de caméra parce que sinon, c'est un peu compliqué. Et après, on se retrouve juste après pour voir les résultats pour les yeux. Voilà, le maquillage des yeux est fait, le eyeliner mis, le fossile mis, là, tout qui est prêt. Maintenant là, je vais juste mettre le fond de teint. Voilà, le fond de teint est mis, maintenant on va passer au concealer. Concealer Huda Beauty encore, bien évidemment. Voilà. Après, maintenant, je prends ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cunafa. Commence à ressembler à quelque chose là. Donc maintenant que c'est fait, je vais prendre un fond de teint beaucoup plus foncé que ma teinte habituelle, vraiment bien brun, et je vais l'utiliser pour faire un petit contouring. Là, après maintenant, je prends ma palette de chez NYX, Sugar Trip Squad, pour utiliser cette teinte orange comme blush parce que j'adore. Je l'avais essayé une fois et comme c'est hyper pigmenté, ça se voit directement, vous n'avez pas besoin d'en faire trop et j'aime trop. Et voilà, donc je vais utiliser cette teinte là orangée juste ici.
Maintenant, je vais prendre ma palette de chez Huda Beauty toujours pour les highlighters. Je vais utiliser la couleur Aruba juste ici parce que je trouve que ça matche super bien avec mon teint. Maintenant, on va passer aux lèvres. En attendant, je pense qu'on va. On est bon là. On va passer maintenant aux lèvres. Je vais faire un truc naturel, mais glowy parce que je vais rajouter du gloss. Donc, je vais commencer par mettre. Je vais faire mon concealer. Je vais commencer d'abord par mettre un gloss mat couleur chair. Après, quand c'est fait, je vais rajouter du gloss au-dessus pour donner un peu de. Je pense qu'au niveau make-up, on est bon. Je vais aller arranger les cheveux aussi, m'habiller. Ensuite, je vais vous montrer ma tenue, etc. avec le make-up, ce que ça donne. Et voilà, on se retrouve juste après. Voilà, le make-up est terminé. J'espère que vous le trouvez beau, parce que moi je trouve que je suis quand même gérée, hein. Moi je trouve ça trop beau, genre avec la coiffure comme ça et tout, moi, je trouve ça trop beau, j'aime beaucoup, j'espère que vous aussi et que ça vous donne des idées, c'est le but, hein. Et j'aime trop, je mets pas souvent le gloss, mais à chaque fois que je le mets, ça me fait waouh quoi. Maintenant je vais passer à la tenue, comme ça vous allez voir ce que j'ai porté en dessous, et voilà. Ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Comme j'avais pas trop d'idées de vidéo juste avant mon départ à Paris, parce que comme je vous ai dit, je pars demain et cette vidéo a été tournée la veille, donc je me suis un peu pressée pour tourner vite une vidéo, mais ça tombait bien comme j'avais un date night, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas, je vais faire ça et tout. Donc si ce genre de format vous plaît, genre un get ready with me où je me prépare devant la caméra et je vous montre à la fin ma tenue, etc., faites le moi savoir sur Insta en dessous de ma vidéo, ou juste en likant la vidéo et en vous abonnant, et j'en ferai plus souvent. Et sinon, j'espère que le make-up vous a inspiré, la tenue aussi. En plus, la couleur lilas comme ça, je trouve ça trop beau sur moi. J'aime trop, je trouve que ça me va bien au teint. Et ça faisait trop longtemps que je voulais avoir cette robe comme ça, de ce style-là. De chez Boohoo d'ailleurs. Et voilà. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Snap et Insta, ou Insta et Snap, je sais pas dans quel ordre ça va apparaître, mais en tout cas suivez-moi dans le 2 parce que je suis active dans le 2, et si vous avez des questions à me poser, etc., etc., ou des idées de vidéos à me donner, vous pouvez toujours les donner à travers ces réseaux sociaux là. Et sinon, je vous souhaite une belle semaine, parce que ma vidéo sort un dimanche, comme ça vous commencez une belle semaine, et je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye. Mask off, fucking mask off.